Stop a décidé d'aller à la rencontre de tous ceux qui contribuent à l'évolution des différentes carrières de nos artistes. Mesdames et messieurs, cette émission est consacrée aux mécènes du Zouglou, aux propriétaires d'espace, aux producteurs d'artistes, aux managers et autres. Tous ceux qui entourent nos artistes, tous ceux qui sont derrière eux. Et pour ce premier numéro de rencontre avec, nous allons à la rencontre d'un grand homme. Un homme qui ne cesse de parler de lui dans ce milieu zougloutique. Le grand Boukri Sapochon. Vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Bien, bien. En tout cas, on dit ça réussit toujours, ça réussit toujours. Puis on s'appelle vieux père. Oh non, il n'y a pas de souci. C'est la famille. Ça prend, ça prend. Là, là, on laisse toutes les tenues là. Non. Puis, ça réussit. On est relax. Donc là, on passe la journée avec toi. Il n'y a pas de problème. On va tourner, même si tu as commencé à tourner. Oui, mais tu dis, c'est une affaire de 11h. Dis non, depuis 6h le jour. Il y a 6h. Tu te réveilles tôt. Ok, donc le qu'est-ce qu'on fait matin? Parce que là, on est avec toi. Bon, ouais, il n'y a pas de souci. Uh-huh. Là, il est bien presque midi. Ouais. Bon, on va chercher à casser la croûte d'abord. C'est ça qui est important dans l'affaire. Donc, on casse la croûte et puis après ça, on va se diriger vers le propos. Ouais. Et vous allez aller voir certains collègues. Après, le reste de la journée. Non, on n'improvise pas, c'est déjà calé. Il n'y a pas de souci. C'est déjà calé. C'est comme ça que son programme est très chargé. Mais on est dedans. On y va. Ok. Là, vous avez dit on va aller recharger un peu. Oui, la batterie, c'est important. C'est important parce qu'un sac vide ne peut tenir debout donc. Surtout que le programme est très long. Très. Mais là, on est à Yopougon. Ouais. Et pour apparaître, là, qu'est-ce qu'on peut recharger? Bon, on verra. Hein, on verra. Il y a une histoire de Placali qui va peut-être se positionner. On peut faire le riz, au cabri. Bon, on est au Placali, c'est le mieux. Placali, c'est le mieux, non? Mais là, on constate que vous écoutez le Zougou dans la voiture. Toujours. À tout moment. Toujours. Au boulot, quand il y a un bout de temps. À la maison, dans la voiture, du Zouglou. Rien que du Zouglou. Zouglou. Là, c'est pas pour rien que vous faites partie des mécènes. Non, parce que faut comprendre une chose, c'est que le Zouglou est une musique de maturité. C'est ça. Une musique de prise de conscience. Ce n'est pas pour dénigrer les autres musiques, mais je dis une chose, c'est que dans le Zouglou, on réfléchit et on évolue aussi par rapport au fait des sociétés. C'est ça. Mais voilà. qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent non, le Zouglou c'est pour les vieux, c'est pour les doués, c'est une qualité ou mais c'est un défaut? Non. Faire du Zouglou ou écouter du Zouglou est une qualité. Parce que celui qui fait du Zouglou est responsable. Oui. La preuve, nous avons aujourd'hui les concepteurs, oui, qui sont aujourd'hui dans l'administration ivoirienne. C'est ça. Hein? Je vais parler du commissaire Waka qui a été en charge des services en son temps, commissaire Loubé, j'en passe, hein, qui sont aujourd'hui des grands de ce pays. Donc ne fais pas le Zouglou qui veut, mais qui peut. Voilà. Mais déjà vos premiers rapports avec les artistes Zouglou, comment ça a démarré? Parce que là vous êtes déjà un mordu du Zouglou, vous aimez déjà le Zouglou. Ouais. Maintenant, vos premiers contacts avec les artistes. Bon. Si on peut dire, sorti un ou deux noms de quelques premiers artistes avec lesquels vous avez les premiers véritables contacts. Oui, je parle de contacts, oui, je parle des oui, gens que vous pouvez appeler à n'importe quel moment. Oui, être... oui. Parce que là, tout le monde connaît Bobby Zaboto. Mais Bobby Zaboto pas appelé, tout le monde vient en même temps. Mais ceux qui, non, vraiment, qui, avec bon, qui vous avez gardé de bons rapports. J'ai gardé de bons rapports avec quand même un bon nombre d'artistes. Un bon nombre d'artistes. Je
vais commencer par Nicolas Fazolozo. Oui, Fazolozo. Qui est mon poulain et qui est actuellement au laboratoire. Il se peut même qu'on passe le voir. Ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Il y a le jeune JC Pluriel. Oui, JC Pluriel. Qui est vraiment disponible. Moi, en tout cas, ça, je ne peux pas faire chose. JC Pluriel à qui on fait un coucou parce qu'il est au Bénin actuellement, il représente la Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a également Keiboke, Eric oui. Sacré et j'en passe. Vraiment, il y a quand même une bonne bouchée d'artistes. Mais là, vous, le retour, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous les appelez, c'est toujours bon ou bien il y a d'autres qui... Non, il n'y a pas de souci, c'est toujours bon. C'est-à-dire que s'ils sont vraiment pris, ils me disent vêtement, ah, le vieux, c'est coincé. Mais donc, quand ils sont vous sentez le respect, voilà. La considération. Mais est-ce que c'est pas parce que de temps en temps, vous les filez des vieilles bonnes qui le font? Non, ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir parce que... Vous savez, je dis une chose, l'argent ne fait pas tout dans ce monde. L'argent ne fait pas tout. On dit souvent aux gens, certains disent non, que je suis riche donc je n'ai besoin de personne. Est-ce que tu as su que ton âme peut t'envoyer au cimetière? Ça c'est vrai. Donc l'argent ne fait pas tout, mais c'est l'être humain en lui-même. Par rapport à l'énergie que cette personne la dégage, qui permet que les relations se raffermissent. Quoi. Voilà, c'est comme ça. Sinon, mais c'est important, nous savons que parmi les artistes, il y a beaucoup qui ont la volonté. Il y a beaucoup qui ont la volonté. Donc nous savons aussi que même si vous ne voulez pas le dire maintenant, mais nous savons que de temps en temps aussi, il y a des petites enveloppes qui disent mais l'encourager. Bon, même si je ne vais pas attirer tout le monde vers vous, mais au moins. C'est là si on sort d'ici, on dira ah, l'animateur du Minos Top l'a dit. Donc nous avons tant de l'argent, moi cher. Non, donc, au moins de non, temps en temps, non, vous ne pas. On donne pas l'argent. On donne les conseils. Ah bon, voilà, on préfère c'est. On donne les conseils. On préfère c'est limiter à ça. Mais je rappelle que Boris Amoton, vous êtes encore producteur d'artiste. Pas encore. Pas encore. Pas vous êtes encore. Un peu sain du voilà, pas encore. Je suis en train de me préparer. Parce que là, je. Bon. Ça reste dans le bois sacré. Ça reste dans le bois sacré. Voilà. C'est le premier joker de la journée. Ok, donc on va continuer notre chemin et puis on verra ce qui vient encore devant. Bah ouais, maillot jaune, c'est ça, hein. Tu as lancé ton concept, on te suit dedans ma petite. Voilà, c'est ça qu'elle a, du coup c'est solidarité, nous on fait rien, pas là, c'est ça qu'elle a, donc toujours en maillot jaune, c'est ça qu'elle a vérité. Je veux comme on vient de manger, moi je vais lui donner un petit conseil, surtout aux jeunes artistes qui sont, qui peut-être se laissent surprendre par le succès et qui manquent un peu de respect, excusez-moi le thème, mais qui se laissent un peu emporter par le succès. Vous qui avez connu le Zoubou à sa naissance, Yoté, des propos aujourd'hui, comme on le voit, moi j'ai l'occasion de le croiser une fois, c'est toujours l'humilité. Mais mercenaires, mais nos nouveaux artistes, nos nouveaux petits qui sortent là, un conseil à leur endroit, ceux qui se laissent un peu emporter par la gloire. Ok, je veux d'abord, avant même de parler de. Du comportement, de l'orgueil qui habite chacun, parler déjà de l'habillement. Parce que j'ai fait une remarque qui est très pertinente. On vous a dit, et je continue de le dire, que le Zouzou est une musique responsable et une musique peu responsable. Donc ça dit qu'un artiste qui fait du Zouzou doit se vêtir d'une manière décente.
Voilà, les histoires de taille basse, on n'en veut pas dans le coup, s'il vous plaît. Hein? Les histoires de taille basse, ça fatigue l'esprit. Voilà. Hein? Notre ami d'à côté, fort de taille basse, on n'est pas obligé de mettre le caleçon du junior. On s'habille correctement, on fait une bonne musique, nous on suit la musique. C'est ça qui est la vérité. Pour ceux qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, je le dis, nous croyons tous en Dieu. La Bible même dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Moi je prends, je ne vais pas donner d'exemple, mais il y a des exemples qui sont très palpables aujourd'hui dans le milieu du monde où l'humilité règne. Et je veux que ces exemples-là soient compris. Pour ne pas faire de publicité, parce que si je donne le nom d'un artiste, on va dire non, le vieux artiste. Non, je ne veux pas indexer que ce soit. Mais on constate tous qu'il y a quand même certains qui sont très humbles. Et je veux que les autres aussi se mettent dans ce pas-là. Parce que aujourd'hui, en voulant être orgueilleux, on va se casser le visage. Quand on est orgueilleux, on n'apprend pas, on désapprend. Mais quand on est humble, on écoute les conseils, on apprend. Et on reçoit aussi la grâce de Dieu dans ce qu'on fait. Il y a le quin du jeu, on sent qu'il y a une force, même les esthéticiennes qui vous êtes suivi, il y a au moins des petits produits. Il y a ceci qui existe. C'est que surtout tout à l'heure, on fera un saut. Ouais, parce que souvent, on s'assoit pour faire juste des soins de visage, des massages corporels, des soins de manucure, pédicure et tout ça. Bon, on le fait de temps en temps quand même pour. On va profiter de cette journée-là pour arriver là-bas. Peut-être qu'on va faire un peu de pédicure. Non, il n'y a pas de souci. Ça sera fait. D'ici, on fonce là-bas. Ça sera fait. Okay. Non, d'ici, on passera voir d'abord mon petit. D'accord. Et de là, on descendra de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Donc, on continue le programme. Nous sommes toujours avec le grand Bobby Saboteur. Je garde l'explication du nom qu'il a fait. Mais il faut qu'il nous dise le Bobby Saboteur. Moi, j'entendais ça, mais il était encore tout petit. Il va nous expliquer pourquoi. Donc, on poursuit le programme avec lui. On a essayé de tourner un peu dans la ville. Là, on va où exactement? Parce que moi, j'ai perdu. Nous sommes au niveau de la Cicogi. Oui. Voilà, donc, non loin du bloc célibataire. Là, je vais voir mon imprimeur. Oui. Voilà, en l'occurrence, David Gouy. Oui. Voilà, qui est manager de Titi Capoche. Oui, Capoche qui est quoi? Capoche, ouais. Monsieur Akoupé. Akoupé, ouais. Voilà. C'est ça. Donc, il est aussi propriétaire d'un sujet d'enrichissement où ça. Nous prévoyons. Dans quelques temps, faire rentrer un artiste surprise. Donc là, on se lance à la production maintenant, monsieur. Il est temps. Parce que là, il est temps vraiment de nous lancer dans la production parce que, comme diraient les autres, trop c'est trop. Voilà. Trop de sollicitations. Trop de sollicitations. Maintenant, il faut rentrer dedans. Ok, donc voilà. on va voir le gars. Voilà. Okay, c'est David, il s'appelle. Allô, ouais. Il y a longtemps que vous vous êtes vu. Hein? Ouais. Parce qu'en Afrique,
En Afrique, on fait les accolades comme ça, c'est qu'il y a, il y a vraiment longtemps. Non, c'est vrai que bon, il n'y a pas aussi longtemps que ça, mais. Heureux, c'est toujours heureux de le rejoindre. Toujours heureux. Tout ce que vous demandez, toutes les accolades, tout. Ouais. C'est vraiment plus qu'un frère pour moi parce que toutes les créas que je veux faire, il les fait. Les cas de visite, je vous dis ouvertement, mes cas de visite, je ne les paye pas. C'est ça. Le papa, il me les fait gratuitement, même hier nuit. Oui. J'étais encore ici en train de recevoir pas de cas. Il me dit, mais attends, ton stock est fini, viens récupérer. C'est ça. Là, je suis venu récupérer. Je vais même enlever l'argent, mais il me dit, non, vous ne pouvez pas payer. C'est comme ça. C'est ça aussi le plus, c'est l'avantage. Voilà, donc c'est David Touy. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'être sur nous non-stop. Merci. Point com. Connectez-vous et tout le temps. Ouais, mais tout le temps on est avec Zoubou. Voilà. Avec Zoubou, c'est ça. C'est ça aussi. Non-stop. Ça réussit toujours. Ça réussit toujours. D'accord. Et là, je t'invite. On va juste se rapprocher de la beauté. Après là, je rentre au salon de beauté. Faire tout. Et pour la suite, surprise!